Dans les colonnes du Sun, Anna Spirit, ancienne membre du groupe à succès Club 7, a expliqué s'être retrouvée sans domicile fixe en fin d'année dernière, avec son compagnon et leurs deux filles en bas âge. 20 ans après la séparation de S-Club 7, Anna Spirit, l'une des membres du groupe britannique à succès, vient de connaître une très mauvaise passe dans sa vie personnelle. Deux décennies plus tôt, la jeune chanteuse, âgée d'à peine 20 ans, se lançait dans une folle aventure avec six autres camarades, Paul Cattermole, Bradley McIntosh, Joe O'Meara, Tina Barrett, John Lee et Rachel Stevens. Musique, cinéma, télévision, rien n'arrêtait à l'époque les S-Club 7, qui ont multiplié les succès, grâce à des chansons qui tournaient en boucle et dont tous les adolescents des années 90 se souviennent. Désormais éloignée des projecteurs et maman de deux petites filles, Taya et Tora, âgées de 4 et 3 ans, Anna Spirit s'est retrouvée dans une situation alarmante pendant les fêtes de fin d'année, comme elle l'a expliqué dans un témoignage paru dans les colonnes du Sun. La mère de famille, aujourd'hui âgée de 41 ans, a confié que les problèmes ont commencé avec sa famille 6 mois plus tôt, lorsque son propriétaire a souhaité récupérer l'appartement qu'il leur louait dans le sud-ouest de Londres pour le vendre. Nous avons eu 2 jours pour partir, a-t-elle expliqué. Depuis, l'ancienne chanteuse et son compagnon ont changé de domicile pas moins de 4 fois, et les fêtes de Noël ont été particulièrement terribles pour sa famille, contrainte de vivre dans un bureau prêté par un ami. Les gens pensent que nous sommes tous millionnaires. Anna Spirit, dont le groupe a engrangé plus de 50 millions de livres de bénéfices, a tenu à rappeler au Sun que l'argent qu'elle avait touché pendant ses années de gloire était minime par rapport à ce que les S-Club 7 rapportaient. Les gens pensent que nous sommes tous millionnaires, mais malheureusement, si est-il tout simplement faux, a-t-elle déploré dans les colonnes du média britannique. Alors que le groupe se réunira à l'automne prochain pour quelques concerts, Anna Spirit a avoué être la seule membre à ne pas encore avoir accepté. Pour le moment, CST S-Club 6. Cela n'a aucun intérêt d'être payé une misère et de s'épuiser. Cela doit en valoir la peine et je dois penser aux enfants. J'aimerais qu'il me voie sur scène. Si est-il l'occasion de bien faire les choses cette fois-ci, a-t-elle déclaré. Le message est passé.